בבל, שם ישבנו גם בחינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שלונו שובנו דברי שיר ותול עלינו שמחה. שיר לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם. ברשות מוריי ורבותיי, je souhaite à vous tous de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer la fête de Sukkot. On sait très bien que la fête de Sukkot, elle tombe toujours après la fête de Yom Kippour et de Rosh Hashanah. C'est quoi la fête de Sukkot? Pour comprendre la fête de Sukkot, il faut bien comprendre la fête de Kippour. La fête de Sukkot, c'est la fête de la joie. C'est la fête de la joie. On est content, on est un peu plus décontracté avec après les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, qui sont un peu des fêtes tendues, avec un peu de peur. Et voilà, la fête de Sukkot, elle arrive, c'est la fête de la joie, avec l'étrog, le lave, qui symbolise l'étrog, qui symbolise le cœur, le lave, qui symbolise le corps, le hadas, qui symbolise les yeux, et la arava qui symbolise la bouche. C'est-à-dire que avec les yeux et la bouche et le corps et le cœur, on sert à Kadosh Baruch Hu tout entier. On fait ce package pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et pour mieux comprendre cette fête de Sukkot, il faut déjà passer l'expérience de la fête de Rosh Hashanah et Kippour. Si pendant la fête de Rosh Hashanah et Kippour, on sent la teshuvah, on sent qu'on a fait une bonne pénitence, on sent qu'on a fait des bonnes prières, et on sent que Dieu nous a pardonné, alors on est soulagé. La fête de Sukkot, elle devient une fête de soulagement. Mais si on n'aurait pas senti la fête de Rosh Hashanah et de Kippour, et peut-être qu'il n'y a pas eu une bonne prière, il n'y a pas eu une bonne teshuvah, rien du tout. Alors la fête de Sukkot, ça va être une fête. Une fête comme toutes les fêtes, sans plus. Voilà, sans plus. Donc, tout dépend de nous comment... Mais, une chose est certaine, que la fête de Sukkot aussi, elle symbolise Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce que la fête de Sukkot, c'est la fête d'Hachem. On commémore, pendant les 40 ans, causés dans le désert, lorsque nos parents sont sortis de l'Égypte, ils étaient dans le désert pendant 40 ans, Hachem, il les a encerclés avec des Anani Kavod. Anani Kavod, c'est des nuées saintes. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il les a protégés. Donc, quelque part, la fête de Sukkot, elle symbolise que nous sommes comme à l'intérieur d'un palais. À l'intérieur d'un palais royal. Voilà, c'est ça Sukkot. On appelle ça Tzilat Behemenotaz. D'ailleurs, pendant Sukkot, on invite des comme Avraham Abinu, a venu s'associer avec nous, Abraham, Ishaq, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Youssef, Pinhas, Shlomo, et tous les tzadikim, on les invite à venir à la Sukka. On ne les voit pas, mais on les invite. On ne les voit pas, mais c'est comme... la raison pourquoi on les invite, c'est parce que... C'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Parce que Sukka... C'est comme Gan Eden, c'est comme le paradis. Un paradis terrestre qui se trouve dans ce monde-là. Vous savez que tous les tzadikim, ils sont paradis là-haut. Donc, lorsqu'on dit que la Sukkah, c'est le symbole du palais royal, le palais de Hakadosh Baruch Hu, donc c'est Gan Eden. Comme que Gan Eden, il y a les Avot, il y a les patriarches, il y a tous les tzadikim. Alors, si on rend la Sukkah comme un palais royal, comme un palais d'Hachem, comme le Gan Eden, comme que le gars est lié à Abraham, Isaac, Jacob et tous les patriarches, donc là aussi il y a tous les patriarches. Donc on les invite à venir de là-haut en bas, c'est de Gan Eden à Gan Eden. C'est comme ils sortent d'une chambre pour entrer dans une autre chambre. C'est extraordinaire. Donc quelque part, qui peut imaginer être devant Akadosh Baruch Hu, dans son palais royal, et ne pas faire une pénitence, il ne peut pas se préparer. Donc, quelque part, la fête du Sukkah,
elle aussi, c'est la suite des fêtes de Noraïm, des fêtes de Rosh Hashanah et Kippour. Ça veut dire que même si on n'a pas bien fait Rosh Hashanah et Kippour, on peut se rattraper à Sukkot. Et si on a bien fait Rosh Hashanah et Kippour, alors à Sukkot, on va pas se rattraper, on va être super content. Peut-être on va se rattraper encore un peu plus. Vous savez, une fois j'ai vu dans un livre une histoire, il y avait une fois un tzaddik qui est rentré dans la soukha, et avant qu'il est rentré, il a commencé à pleurer. Il a posé la question, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, j'ai peur parce que je vais rentrer au palais royal, je vais rentrer là où il y a Kadosh Baruch Hu. Alors, je me prépare. Ça veut dire que vous voyez que la fête de soukha, c'est super. Et je voudrais vous dire quelque chose. Ça ne vous arrive pas que, même si vous allez voir un rabbin renommé, avant que vous rentrez chez lui, vous êtes un peu excité, vous êtes un peu tendu, vous avez un peu peur, et vous attendez dans la chambre de réception, et on est tendu, imaginez-vous, si on doit aller voir un roi, on est un peu tendu, mais on attend jusqu'à qu'on rentre chez lui. Une fois qu'on rentre chez le roi, on commence à changer de couleur, et on s'assoit, et on est décontracté, et tout va bien. Ça m'est arrivé beaucoup des fois. Donc je vais aller voir des gens très importants. Au départ, je suis un peu tendu, je suis pas bien, je suis excité, je suis un peu pâle. Et lorsque je rentre à l'intérieur, et je m'assois, et je commence à parler, donc après, l'atmosphère devient un peu plus gaie, un peu plus... surtout après, on commence à manger, à boire, et ça, tout est super bien. Après, on commence à chanter, et voilà. Et ben, c'est de même pour la fête de Sukkot. Avant qu'on rentre à la soukha, on est un peu tendu. On est un peu, déjà on prépare la soukha, on construit la, déjà pour pouvoir construire cette soukha qui s'appelle Palais Royal, il faut, pour bien la construire avec tous les kavanot, avec tous les pensées, avec tous les, l'investissement moral, physique, spirituel, en investissant la soukha, il faut bien sortir à la fête de Rosh Hashanah Kippour. Selon la préparation, selon ce qu'on a senti pendant Rosh Hashanah Kippour, eh bien, la soukha, elle va être la construction du palais royal qui s'appelle soukha, elle va être en conséquence. Et une fois qu'on va être à l'intérieur, une fois qu'on l'a construit, et la fête est bien, et on va rentrer, là on sait que le roi est à l'intérieur, là on est un peu tendu. Mais une fois qu'on est dedans, on se sent super, on chante, on danse, on est détendu, c'est super. Parce qu'on est avec le roi, c'est ce qu'on appelle tzedek minuta. Mes amis, il faut savoir une chose, que Soukha, elle symbolise aussi l'exil. J'habite chez moi à la maison, et pendant un laps de temps, j'habite pas à la maison, j'habite dans une cabane. Une cabane que j'ai construite. Une cabane qui n'est pas très confortable. Une cabane qui n'a pas de salon, qui n'a rien du tout. Une cabane, parfois il fait froid dehors. Et comme dans certains pays qui fait très froid, et la soukha, on grelotte, on gèle un peu dedans. La soukha, elle représente l'exil. On est en exil. Mais Akash Moru est avec nous. Mais Hashem est avec nous. Mais on est en exil. Et moi, nous, Chébit Sarah. C'est le symbole de la soukha. Même lorsqu'on était dans le désert pendant 40 ans, Akash Moru nous a protégés du froid, du chaud, des animaux, des bêtes. Akash Baruch Hu, il a dit voilà, pendant toute votre vie, une fois par an, vous allez construire une cabane symbolique pour vous rappeler, de la même façon que je vous ai protégé pendant 40 ans dans le désert, eh ben je vous protégerai toute la vie, toute l'année. Et bien sûr, cette mitzvah de protection toute l'année est super bien après Rosh Hashanah Kippour. Parce qu'après Rosh Hashanah Kippour, lorsqu'on fait une bonne teshuvah, alors on peut dire on mérite d'être protégé. Donc voilà la soukha qui représente Tzila de Menuta, qui représente Akadosh Baruch Hu, qui représente Gan Eden, qui représente le palais royal, qui représente beaucoup de choses. Et qui représente aussi la protection d'Hachem à son peuple en exil, même qu'on est en exil. Mes amis, ce qui est impressionnant, c'est aussi la soukha, la fête de la soukha, la fête de la cabane, qu'on fait après les Yamim Noraim, après Rosh Hashanah Kippour, et symbolise autre chose. Et symbolise que, vous savez, parce que, si je ne me trompe pas, j'ai lu ça dans un livre. Vous savez que, beaucoup des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui rentrent en prison.
Eh bien, il faut savoir que la prison, elle a bien sûr c'est un défaut d'être prisonnier ou être dans une prison. Mais si jamais quelqu'un est rentré en prison, même parce qu'il a fait une faute, ben, la prison, elle a aussi un bénéfique. Lequel, si chez Michaud, si quelqu'un il avait une guézère de mourir, alors la prison, la prison c'est la honte, la prison c'est quand même, c'est être prisonnier, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu es réduit à néant, à zéro, tu ne peux pas manger comme il faut, tu ne peux pas voir ta famille, tu ne peux pas voir tes amis, tout le monde part de toi, c'est une honte, la prison. Eh ben, la punition de la prison, elle fait pardonner la mort. Si quelqu'un, il avait le désir de mourir, eh ben, la prison, il lui fait pardonner la mort. L'exil aussi. C'est quoi l'exil? Quelqu'un, par exemple, le pauvre, qui doit voyager tout le temps pour apporter la panassa pour sa famille. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger et qui doit voyager, se séparer de sa famille pour apporter de quoi manger. Ça s'appelle l'exil. Eh bien, l'exil, il fait pardonner la mort. Alors, si par exemple, Hashem Podol Yamim Noraim, à Rosh Hashanah Kippour, quelqu'un de nous, ou je ne sais pas quoi, il a une gezera de mourir, alors la gezera va être annulée à Sukkot. Le fait qu'on fait l'exil, le fait qu'on sort de la maison et on construit une cabane et on mange pendant 7 jours dans cette cabane-là, on a accompli cette mitzvah, on annule la gezera de l'exil. Et surtout lorsqu'on apporte le loulav, le trog, la arava et le hadas, ces 4 éléments avec lesquels on fait la prière à Sukkot, qui représente le corps, les yeux, la bouche, et le cœur. Alors, on réunit tout, le cœur, le corps, les yeux, la bouche, on réunit tout ce sens pour le service de la Kadosh Baruch Hu. Alors, d'ailleurs, bien sûr que l'exil, cet exil qu'on applique sur nous, de quitter la maison pour rentrer à Souka, ça va aider, ça va annuler les décrets, les gezerot, les mauvais décrets. Vous savez, mes amis, si tous les juifs dans le monde entier font la soukha, alors je vous pose la question, pourquoi est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde, Hashem Shalom, ils ont une gezera de mourir à Rosh Hashanah Kippour, pourquoi tout le monde fait la soukha? Non. Ah, pourquoi tout le monde doit faire ça? A priori, la Torah, elle devait nous donner des mitzvot, une mitzvah qu'elle marche pour tout le monde. Mais cette mitzvah-là, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui va mourir pendant l'année. C'est quelques personnes, quelques milliers de personnes, pas tout le monde. Donc, la Torah, elle est pas pour, la Torah, elle devait nous donner une mitzvah, je sais pas quoi, une mitzvah qu'elle implique tout le monde. Mais là, cette mitzvah d'Asuka, a priori, elle ne l'implique pas tout le monde, puisque c'est pas tout le monde qui va mourir. Ah, pourquoi tout le monde on l'a fait? Pourquoi tout le monde fait l'Asuka? Eh bien, justement, c'est ça, Ahavat Israël. La fête d'Asuka, c'est la fête de l'union aussi. Être uni. Et c'est quoi être uni? L'union, c'est pas l'union, lorsque ça va bien pour toi, alors moi, si je suis bien avec toi, non. L'union est lorsque ça va pas pour toi, ça va pas pour moi aussi. Et lorsque ça va pour toi, ça va pour moi aussi. C'est ça l'union. C'est pas l'union où je me désunis de la personne lorsque ça va pas. L'union, ça veut dire, je suis associé avec tout le monde que lorsque ça va et que lorsque ça va pas. D'ailleurs, une fois il y avait, je sais pas, en Pologne ou en Russie, il y avait une fois un roi qui demande un rabbin, il lui dit, c'est écrit dans la Torah, il faut aller d'après la majorité. Oui ou pas? Il dit oui. Il dit, c'est la majorité, il dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et si une minorité, s'il y a la majorité qui décide une décision, et une minorité qui décide une décision, on va d'après la majorité. D'ailleurs, c'est chose qui est logique. Dans les élections aussi. Lorsque les élections, on va, qui gagne, c'est la majorité. Lorsque la majorité, elle vote à droite, alors c'est la droite qu'elle gagne. Si la majorité, elle vote à gauche, eh ben c'est la gauche qu'elle gagne. Et si ils sont match nul, alors c'est un problème. C'est un problème. Et toujours c'est la majorité. Alors le roi dit au rabbin, mais nous, on est la majorité. Donc ici en Russie, ou en Pologne, je ne sais pas où c'est passé l'histoire, on est la majorité. Alors pourquoi vous les juifs, vous êtes minorité? Pourquoi vous ne faites pas notre religion? Faites notre religion. Le roi,
il a dit au rabbin, je te donne 24 heures pour me donner une réponse. Tu ne veux pas de réponse, vous êtes tous expulsés de la Pologne ou de la Russie. Je ne me rappelle pas quel pays où s'est passée cette histoire. Le rabbin lui dit, mais je n'ai pas besoin que tu me donnes 24 heures, je te donne tout de suite la réponse. Tout de suite, je te donne la réponse. C'est pas fait que tu me donnes 24 heures. Je dis, c'est quoi la réponse? Il dit, la réponse, elle est comme ça. C'est vrai que vous êtes la majorité, et nous, on est la minorité. Mais il faut savoir que, chez nous, lorsque un juif, il est dans le besoin, c'est tous les juifs du monde entier qui vont s'associer pour l'aider, pour le faire sortir de son pétrin. C'est ça, et c'est vrai lorsque je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait lorsqu'il y a des guézérotes, lorsque ça ne va pas chez quelqu'un, ben c'est tout le monde qui est concerné. Regardez comment des fois par jour, je reçois des fax, des emails pour bénir telle et telle femme qui est malade. Je dois avoir parole d'honneur. C'est quelque chose, on va ça nulle part. On va nulle part des gens qui bénissent d'autres personnes. D'ailleurs, même des gens qui sont... Je reçois beaucoup des fois des emails de chez des amis juifs qui me donnent des noms, des barachot, à bénir même des noms juifs. Ils veulent qu'ils soient malades, qu'ils ont un problème. C'est quelque chose qui est... C'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. C'est quelque chose, d'ailleurs, à Kippour. À Kippour, les rabbins, beaucoup des fois nous, les rabbins, on essaye d'éviter de ne pas prier avec les non-religieux. Mais à Kippour, on prie avec tout le monde. Parce qu'à Kippour, on considère que tous les juifs, ben, ils ont fait des Shabbat. Pendant toute l'année, malheureusement, il y a des juifs qui fument Shabbat, et on peut pas s'associer, on peut pas, il faut qu'il y ait un minyan de Shomer Shabbat. C'est pas Hash Shalom qu'on dénigre ces juifs-là qui fument Shabbat, ou qui mangent du kasher, ou qui font n'importe quoi, mais pour faire une bonne prière à Kadosh Baruch Hu, il faut que ce soit un minyan kasher. Comme il y a un juif à New York la semaine dernière, il me dit, Rabbi David, est-ce que je peux me racheter au donon de tzedaka pour toutes les fautes que j'ai faites? Parce que je peux pas faire teshuvah, je peux pas dire pardon à Hachem, parce que je sais que je vais commencer à recommencer les fautes après Kippour. Donc je peux pas demander pardon à Kadosh Baruch Hu, alors je vais me racheter. Ah, j'écoute-moi, je donne deux réponses. Te racheter, tu peux pas. Parce que tu peux pas dire, je fais teshuvah maintenant, avec la tzedaka, et je refaute après, ça marche pas. Ça marche pas avec le bon Dieu. Mais une seule chose, je peux te dire, que pendant Kippour, tu es tzadik. Hachem, il ne te juge pas pour avant, parce qu'il t'a pardonné, et tu ne juges pas pour après, parce que tu n'as rien fait, et tu juges pour ce que tu as à Kippour. Et à Kippour, tu es tzadik. Alors, à Kippour, on prie avec tout le monde. Quand on dit à Kippour, l'itpale est à Abarianim. On prie même avec les voyous, on prie même avec ceux qui sont mauvais. On prie, pourquoi? Parce qu'à Kippour, on considère tout le monde tzadik. Avec Israël, les gens de Kippour, ils sont liés les uns avec les autres. On est tout le monde tzadik à Kippour. Même ceux qui viennent pour 5 minutes à la synagogue, même ceux qui ne viennent pas du tout à la synagogue, c'est pas parce qu'ils ne viennent pas, parce qu'ils ne veulent pas venir, parce qu'ils ne savent pas. C'est de pas plus. À Kippour, on juge tout le monde bien. À Kippour, il y a ce qu'on appelle cette union qui est super extraordinaire. C'est pour ça qu'on appelle ça le jour du grand pardon. Pourquoi on appelle Kippour le jour du grand pardon? Parce que Hachem, c'est le jour du. C'est vraiment le grand pardon. Parce que Kadosh Baruch Hu, il pardonne à tout le monde individuellement. C'est vraiment, c'est le grand pardon. C'est pas un petit pardon. Non, c'est vraiment un grand. C'est pas Hachem, il te pardonne pour une partie, pas une autre. C'est le grand pardon. Hachem, il te pardonne sur tout, pour tout. Donc, c'est ce que le Rava dit au roi. Il dit, bah, c'est vrai, nous, on est une minorité, vous êtes la majorité. Mais comparaison, comment nous se comporte, on fait ce que la majorité ne fait pas. Donc ça veut dire, regardez, on fait ce que la majorité ne fait pas. C'est quoi une majorité? Une vraie majorité. Il ne faut pas que ça soit une fausse majorité. Et le roi lui a donné raison. Il a dit, c'est vrai, je vois que chez vous, lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade, c'est tout le pays qui est malade avec lui.
Et d'ailleurs, j'ai vu un rabbin qui a été kidnappé. J'ai vu que tout le monde a participé pour sa libération. Alors, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et aussi, on a vu, et c'est la vérité, c'est pas parce que l'homme connaît plus que la majorité du monde, non. Non. Mais il y a certaines mitzvot qu'on fait, il y a certaines lois qu'on les fait avec rigueur, qui font de nous, même qu'on est une minorité, qui font de nous une majorité. Je m'excuse de vous dire cette phrase-là. Je m'excuse. Il y avait beaucoup de fois, une fois j'étais au Maroc, et vous savez, il y avait une ville, dans une ville à Taroudan, il y a un seul juif. Tous les juifs du Maroc, bon, ils sont partis à gauche et à droite. Il y a ceux qui ont déménagé à Casablanca, il y a ceux qui ont déménagé à Marrakech, il y a ceux qui sont partis, vous savez, les juifs, malheureusement, c'est différent. Les juifs toujours en exil, ils tournent, ils se cherchent. Une fois il est là, même qu'il est parti en Israël et il a cru là-bas qu'il s'est installé, il y a ce qu'on appelle l'Yordim. Ils vont quitter Israël pour aller en Amérique, pour venir en France, pour aller. Le juif, malheureusement, c'est la malédiction. C'est le juif, et malheureusement, soit que Mashiach va venir, qu'il va nous réunir tous, pour qu'on soit quelque part tous dans un seul endroit. Pour le moment, une fois on est au Maroc, une fois on est en Algérie, une fois on est là. D'ailleurs, même en Algérie, il y a quelques juifs qui sont retournés là-bas. Même en Tunisie, il y a des juifs qui sont retournés en Tunisie. Il y a le président Kadhafi qui invite les juifs à retourner au camp chez eux. Le juif, il est en exil. Il y a ceux qui ont quitté l'Allemagne qui retournent en Allemagne. Il y a ceux qui ont quitté les pays communistes, ils retournent aux pays communistes. Les juifs, ils sont un peu partout. C'est ce qu'on appelle, c'est vrai, l'exil. Il n'y a que Mashiach, si Dieu veut qu'il va venir, lorsqu'il viendra, il va nous réunir tous. Alors, je me rappelle une fois, lorsque j'étais au Maroc, je devais aller pèleriner un tzaddik, Rabbi David Mbarouk, et il y a un qui me raconte, il me dit, vous savez, Rabbi David, dans cette ville-là, à Taroudan, il y a un seul juif. Il s'appelle Youssef. Je dis alors, il me dit, c'est incroyable. Tout le monde parle que de lui. Tous les Marocains qui habitent à Taroudan, lorsqu'ils m'en veulent, ils me disent, tu as vu Youssef? Tu as vu Youssef? Je dis Youssef, tu as vu Youssef, tout le monde dit Youssef. Alors moi, tout le monde parle de Youssef. Alors moi, je commençais à dire, est-ce qu'il y a beaucoup de juifs ici ou pas? Et je commençais à me renseigner, il me dit. Je me suis dit combien de juifs il y a dans cette ville de Taroudan. Alors qu'on m'a dit qu'il n'y a personne. Et finalement, ils m'ont dit, dans cette ville de Taroudan, avant il y avait 10 000, 15 000, 20 000 juifs, peut-être plus. Aujourd'hui, il y a un seul, il s'appelle Youssef, Ishou, Youssef. Alors je dis, mais tout le monde parle de lui. Ah ben oui, tout le monde parle de lui. Vous voyez, il y a un seul juif et tout le monde parle de lui. Ça veut dire qu'il y a une minorité qui devient majorité. Et pourquoi cette minorité qui devient majorité? Eh bien, c'est ce qu'on appelle lorsqu'il y a Ahavat Israël, lorsqu'il y a l'amour du prochain. Alors, c'est quelque chose qui est très 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 rare de trouver une vraie union. Très très rare. Et malheureusement, nous, dans notre détresse, c'est là où il y a l'union. Lorsque tout va bien chez nous, on est un peu désunis. On n'est pas unis. Mais lorsqu'on est dans le mal, là, vraiment, on est tous unis. On est tous unis, tous unis, tous unis. Et c'est ça, la Bretagne qui fait de nous une force. Alors, la Bretagne, à Sukkot, écoutez bien, à Sukkot, tout le monde, tous les Juifs sont exilés. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui a eu la Gezera sur lui de mourir après Yerushalayim et Kippour pour qu'il puisse s'exiler, pour que la Gezera soit annulée. On ne sait pas. Alors tout ça s'associe avec lui. Tout le monde est en exil avec lui. C'est pour ça, après Yerushalayim et Kippour, tout le monde fait la soukha. Tout le monde va en exil. Tout le monde s'exile chez eux à la maison et on construit une cabane pour s'exiler chez nous à la maison, même pour vivre pendant cette semaine-là dans la cabane en difficulté. Pourquoi? Parce que, c'est, comme je vous ai dit, l'exil fait pardonner la mort. Et étant donné qu'on ne sait pas qui va mourir, alors pour ne pas qu'il meure, alors on dit à Hachem, nous si on veut s'exiler pour lui. Non seulement lui s'exile, nous si on veut s'exiler pour lui, pour que vraiment la Gezera soit annulée sur lui. La bouteille, c'est extraordinaire, la Torah. La Torah, elle est super, extraordinaire. Et dans la bouteille, il faut savoir une chose. Ça dit, avant qu'il pour... Le Shabbat d'avant Kippour, il s'appelle Shabbat Shuvah. Pourquoi ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Shuvah? Ça s'appelle Shabbat Shuvah, le Shabbat de rattrapage.
C'est quoi le Shabbat de rattrapage? C'est-à-dire, on se rattrape. Parce qu'on a tout le mois des louls, peut-être n'a pas fait le bon teshuvah. Le bon Dieu nous a donné le Rosh Hashanah pour se rattraper. Peut-être à Rosh Hashanah, on ne s'est pas bien attrapé. On n'a pas bien... On n'a pas bien fait la prière. On ne s'est pas bien attrapé. Alors, on a les 10 jours de pénitence. Pendant ces 10 jours de pénitence, on peut se rattraper. Mais, pendant ces 10 jours de pénitence, il y a toujours un Shabbat. Et le Shabbat, il a une force extraordinaire. La force du Shabbat est... Dans le Shabbat, vous savez pourquoi? C'est quoi le Shabbat? Shabbat, c'est on ne travaille pas. Shabbat, il faut vraiment avoir l'aimouna. Celui-là, il travaille le Shabbat, il gagne de l'argent. Moi, je fais le Shabbat, je ne gagne pas d'argent. Et comment je vais vivre? Il faut avoir l'aimouna en Dieu. Il faut avoir l'aimouna. Il faut avoir l'aimouna. Il faut avoir une aimouna à Kadosh Baruch Hu. Il faut avoir la foi. C'est tout. Il faut espérer. C'est tout. Shabbat, c'est l'aimouna. Alors, le Shabbat Shuvah, ce Shabbat Shuvah, on peut se rattraper parce que tous les problèmes qu'on a eu pendant toute l'année, c'est parce qu'on ne s'est pas rattrapé. C'est parce que on a fauté manque de Emouna. On a fauté manque de Bitachon, d'espoir en Dieu. On a fauté parce qu'on n'a pas étudié la Torah. On a fauté parce qu'il y a toujours des raisons. Alors le Shabbat Shuvah, le Shabbat qui précède, il s'appelle Shabbat Shuvah. Comme Shabbat Hatan, Shabbat Agadol. Et le Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat d'Atishuvah. C'est le Shabbat de rattrapage. Ça veut dire que ce Shabbat-là, on se rattrape pour faire une meilleure teshuvah, pour arriver à Kippour prêt. N'oubliez pas, on ne peut pas rentrer au palais, à la synagogue à Kippour, si on est sale. Parce que même, c'est la grande rencontre avec le jour de Kippour. Le jour de Kippour qui est sacré, qui est saint. Le jour de Kippour, c'est, on va être devant Akadosh Baruch Hu, qui est Beyom Hazeh, Rapper Alechem, et t'arrêtes, l'Ifne Hashem, on va être devant Akadosh Baruch Hu, Beyom Kippour, l'Ifne Hashem, Beyom Kippour, on est devant Akadosh Baruch Hu, à côté de Akadosh Baruch Hu, donc quand même, il faut se préparer. Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat de rattrapage. On peut se rattraper. Donc Shabbat Shuvah, il a une force extraordinaire, le Shabbat Shuvah, une force extraordinaire. Le Shabbat qui précède le jour de Kippour. Donc, à Bretagne, le Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat de prise de conscience. Peut-être j'ai pas bien passé, j'ai pas bien fait les Shabbatot. Alors, je vais me rattraper ce Shabbat-là, qui est le père de toutes les Shabbatot, pour bien faire les Shabbatot dans la Torah et dans la Kedusha. Le Shabbat Shuvah, il va m'aider à se rappeler que Hachem nous a commandé le Binishai, que Hachem nous a donné Shabbat pour étudier la Torah. Si toute la semaine, j'ai pas le temps pour étudier, au moins le Shabbat, je peux étudier la Torah. Donc ce Shabbat-là, je vais me rattraper pour me faire pardonner tous les Shabbatot que j'ai pas étudié la Torah. Parce que toute la semaine, j'ai pas étudié, et le Shabbat aussi, j'ai pas étudié, alors que le Shabbat a été donné que pour ça. Donc, je vais me rattraper. Donc le Shabbat Shuvah, c'est le médicament de la Teshuvah, vraiment, de toutes mes fautes. Donc ça peut m'aider à me rattraper. Ça peut beaucoup m'aider à me rattraper pour toute la semaine. Pour toute l'année, pardon. Le Shabbat Shuvah. Il peut m'aider à me rattraper pour toute l'année. Shabbat Shuvah à Bouteille. Et on m'a posé une question. On m'a dit, Rabbi David, qu'est-ce qui peut arriver si quelqu'un, il décide de faire Teshuvah uniquement sur une faute. Une faute. Mais pas pour le reste. Pour une faute. Alors, je commence à réfléchir. Je dis, c'est pas possible. On peut pas faire teshuvah pour une faute. Donc, si on fait teshuvah, c'est pour toutes les fautes. C'est pas possible de dire, je vais faire teshuvah pour une faute. Ou pour deux fautes. Et imaginez-vous quelqu'un qui veut rencontrer un roi. Et ce monsieur-là, il est pourri, il est sale. Il est sale. Et s'il va dire, bon... Puis je vais serrer les mains du roi, je vais me laver les mains. Puisque peut-être le roi, il va me dire, il va m'embrasser, alors je vais laver mon visage. À quoi sert? Tu t'approches devant le roi, avec tes mains propres, le visage propre est encore pourri, et tu peux, il va pas t'approcher. Comment on peut approcher Dieu avec un corps sale, avec un corps pourri? C'est impossible. C'est impossible. Écoutez, mes amis, c'est écrit dans la Torah, Shuva Israël ad Hashem Elokecha ki kashalta ba'avonecha ki hu'im machim divarim vishuvu el Hashem Elokechem.
le Shabbat Shuvah, il y a dans la Haftara, on dit Shuvah Israël. Quand Shuvah Hu, il dit à Israël, fais tes Shuvah. Ad Hashem Eloka, fais tes Shuvah jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Kikashalta ba'avonecha, kashalta, ça veut dire que tu as échoué. Tu as échoué avec ta faute. C'est quoi échouer avec la faute? Un homme qui a fait une faute, il a fait une faute. C'est quoi j'ai échoué? J'ai échoué, j'ai fait une faute. On ne dit pas j'ai échoué, j'ai fait une faute. Pourquoi on utilise le mot kashalta, échoué? C'est quoi le mot échoué dans la teshuvah? Ou tu fais teshuvah et tu te fais pardonner, tu ne fais pas teshuvah, tu n'es pas pardonné. Mais c'est quoi le mot échoué? Parce que tu n'as pas fait teshuvah, tu as échoué. C'est quoi ça? Parce que tu n'as pas fait teshuvah, tu as échoué. C'est quoi ça? Mais écoutez très bien ce que je vais vous dire. Imaginez-vous que vous êtes en train de passer le bac. D'accord, le bac. Et tout le monde doit passer le bac. Et tout le monde prépare le bac. Et moi, le correcteur, moi qui corrige les bacs, je vais chez quelqu'un, je lui dis, tu sais quoi? Toi, tu me plais. Je t'aime. Je sais que tu n'as pas bien préparé ton bac. Et je sais que tu vas échouer. Voilà. Tu as ici toutes les réponses à mes questions. Toutes les questions que je t'ai données, il y a la réponse là. D'accord? Et après le bac, je commence à corriger. Et je tombe sur la feuille du monsieur à qui j'ai donné toute la réponse. Je vois ses réponses. C'est faux. Faux, faux, faux. Je l'appelle, je lui dis, c'est quoi sa réponse là? Mais je lui ai donné une feuille où il y a toute la correction, où il y a toute la réponse à mes questions. Qu'est-ce que tu me donnes si ta réponse à toi? Mais c'est du faux. Il lui répond, j'ai cru que je vais utiliser mon cerveau. J'ai dit, quel cerveau? Mais tu t'es pas préparé. Tu savais pas la réponse. T'as échoué. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui échoue ses examens. Mais je lui ai donné toute la réponse. Je t'ai donné toutes les réponses, c'était des bonnes réponses. Qu'est-ce que tu as fait? Mais t'es fou. Qu'est-ce que tu as fait? Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le bon Dieu nous a donné un jour qui s'appelle... Il nous a donné une mitzvah qui s'appelle Teshuvah. Une mitzvah qui s'appelle pénitence. Avec pénitence, on peut se rattraper. C'est-à-dire que on a fait des fautes par rapport à Dieu, par rapport au prochain. On a fait des bêtises toute l'année. Et le bon Dieu nous a dit, vous savez quoi? Faites pénitence, demandez-moi pardon, avouez le mal que vous avez fait, et dites je ne veux plus recommencer. Et je vous pardonne. Voilà la réponse à toutes vos fautes. C'est tellement facile. Avec la bouche, simplement, je dis à Hachem, pardonne-moi. J'ai fait ceci, cela, et pardonne-moi pour les choses que j'ai oubliées, que je ne peux pas avouer parce que j'ai oublié quoi. En fait, tellement... plein de choses dans la vie, ce qu'on se rappelle même pas ce qu'on a fait. Hachem, je t'en prie, pardonne-moi. Tellement facile, tellement... Hachem nous a donné la solution, la réponse à nos problèmes, la solution. Avec... on peut devenir clean, propre devant Dieu. On peut tout... On va changer de visage, on va devenir comme si on venait de naître. C'est tellement facile. La réponse, elle est dans notre main. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait rien du tout. On cherche à trouver des solutions, nous-mêmes. Et on fait rien du tout. On fait ni teshuva ni rien du tout. C'est ce que le Pashuk dit. Shuva Israël, Hachem, il dit à Israël, Israël, peuple, mon peuple. Shuva, faites teshuva, faites pénitence. C'est facile. Haker, avouez. Avouez le mal que vous avez fait. Avouez, c'est tout. Vous savez, j'ai toujours dit que Rosh Hashanah Sukkot, Rosh Hashanah Kippour, les initiales, rachetez votre, les initiales de Rosh Hashanah Kippour, c'est Resh et Chav. He, Resh, Chav, c'est on les met ensemble, c'est Haker. Haker, c'est les Haker. Reconnaître. À Rosh Hashanah et à Kippour, il faut reconnaître. Tu reconnais la faute que tu as fait? Akash Bourou te pardonne. C'est la solution. Alors Akash Bourou dit, Shuva Israël, je t'ai donné une solution. Ad Hashem. Mais la solution, c'est pas, tu fais une teshuva avec la bouche et sans le cœur. Non.
Il faut que tu associes le cœur et la bouche ensemble pour faire cette teshuva avec HaKadosh Baruch Hu. Une reconnaissance, le mal que tu as fait à ton prochain, à Hachem, à toi-même. Et fais une bonne teshuva. Sinon, kashalta, t'as échoué. Tu restes avec tes fautes. Pourquoi? Parce que le seul moyen de faire, de se repentir et d'approcher HaKadosh Baruch Hu et de sentir HaKadosh Baruch Hu, c'est lorsque tu reconnais tes fautes et tu reviens vers HaKadosh Baruch Hu. Mais s'il n'y a pas cette hakara, cette reconnaissance, et tu ne reviens pas vers HaKadosh Baruch Hu, donc tu as échoué. Alors, allez, il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut faire une bonne teshuva. Vishuvu el Hashem. Et venez et retournez vers HaKadosh Baruch Hu. Rabotai, beaucoup de gens, ils font teshuva. Oui. Et après Kippour, ils recommencent toutes les bêtises qu'ils ont fait avant. Échec. Échoué. Ils ont échoué leur Kippour. Ils ont échoué leur Rosh Hashanah Kippour. Pourquoi? Parce que la teshuva, elle ne sortait pas du cœur. Elle ne sortait pas du cœur. Teshuva, c'était, soi-disant, pour faire plaisir à mes parents, je vais faire Kippour, Rosh Hashanah. Pour faire plaisir, par coutume. Je fais Rosh Hashanah Kippour par coutume. Rosh Hashanah Kippour, ce n'est pas coutume. Ce n'est pas le coutume, c'est le jugement. Un juge qui convoque quelqu'un, ce n'est pas par coutume, il invoque pour le punir ou pour l'acquitter. Ce n'est pas une coutume. Rosh Hashanah Kippour, ce n'est pas une coutume. C'est des gens durs. C'est des jours qui sont. C'est des jours terribles. Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Et c'est ça, Rabotai. Vous savez à quoi je compare Kippour? Je compare Kippour à quoi? Vous savez à quoi? À une machine à laver. Une machine à laver. Une machine à laver pour laver le linge, il faut de l'eau et il faut la lessive. S'il n'y a pas l'eau et il n'y a pas la lessive, ça ne marche pas. Tu peux mettre tes vêtements sales dans la machine à laver, elle va tourner en vide. Le jour de Kippour, c'est la machine. Quand je vais au coup, il branche la machine. Le jour de Kippour, il nettoie tout le monde. Mais il faut que nous aussi on associe quelque chose de notre côté. Il faut que nous on apporte la lessive. Il faut qu'on apporte de l'eau. L'eau, c'est la Torah. On compare l'eau à la Torah. Il faut qu'on s'engage à étudier la Torah. Parce que si on s'est salé pendant toute l'année, il manque d'études de Torah. Donc maintenant, il faut s'engager à étudier la Torah. La lessive. Alors, on apporte la Torah, l'eau, et on apporte la lessive, on le met dans la machine, eh ben, les vêtements, ils vont sortir propres. Le corps, il devient propre le jour de Kippour, lorsqu'il y a des engagements. Mais s'il n'y a pas d'engagement, ça ne marche pas. Vous avez toujours dit que Rosh Hashanah, on fait un compromis avec Dieu. Shofar, c'est du verbe Shippour. C'est quoi Shippour? Shippour, ça veut dire réparation. Faire mieux. Shippour, c'est je vais faire mieux. Lorsqu'on entend le shofar, on a un peu peur, on est un peu excité, on sent quelque chose qu'on ne sent pas toute l'année. Alors on dit, Hachem, ça y est, je vais me repentir, ça y est, je vais m'arranger. Mais Shaper, Shippour, c'est-à-dire, je vais être mieux. Et lorsque Hachem voit que je m'engage à être mieux, alors quand je lui dis, bon, puisque tu t'engages à être mieux, alors c'est un compromis entre toi et moi. Ça, c'est la pshara. C'est-à-dire, la pshara, pour qu'on s'arrange avec Dieu, quand je veux s'arranger avec nous. Alors, comment on s'arrange avec Dieu? Lorsqu'on se dit, allez, on va s'arranger. Allez, je vais être meilleur. Je vais être meilleur que l'année dernière. Ah, quand je vous dis, super, si tu dis que tu vas être meilleur que l'année dernière, alors pour l'année dernière, pas de question, je te pardonne, mais Mikhail Haba, à partir de maintenant, je commence à calculer tes bêtises, tes fautes. Allez, c'est une bonne pshara pour moi. C'est un bon compromis entre toi et moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'est engagé à se compromettre avec Dieu? On vient à Kippour, et Hachem nous dit, maintenant, viens, allez, je vais vous laver. Je vais vous laver de vos fautes. Alors, comment il va nous laver de vos fautes? Lui, il apporte sa machine, c'est le jour de Kippour, et nous, on apporte notre lessive, notre eau, c'est les engagements qu'on s'est engagés, et à Kippour, avec un ensemble, lui, de son côté, il met, nous, de notre côté, on met, et après, on sort de la machine, après Kippour, on est blanc-bleu. On est super bien. Et on attaque, puisqu'on a atteint cette
on a atteint ce niveau à Kippour d'être blond bleu devant Akadosh Baruch Hu et super clean devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que maintenant, on est invité au palais royal. On est invité chez Akadosh Baruch Hu. Et la soukha, c'est le symbole du palais. On construit un palais pour Hachem, et Hachem, il nous invite. Parce que n'oubliez pas, on est dans le monde du bon Dieu. N'oubliez pas ça. Et le monde du bon Dieu, c'est le monde, c'est le palais d'Hachem. Tout ce monde-là, c'est le palais d'Hachem. Dans le palais d'Hachem, on construit un autre palais pour inviter Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu, il vient. Déjà, il est dedans, mais pour nous, il rentre. Mais il est déjà dedans. Et on est avec lui. Et il est super content avec nous. Et nous aussi. Au départ, on est un peu mal à l'aise d'être devant le roi. Et après, on devient détendu. On est bien. On est super bien. Vous savez, à Botaï, cette semaine, j'ai vu dans un livre, écoutez bien, j'ai vu dans un livre super sur le Noam Elimelech, il dit comme ça. Il dit que le bon Dieu, il a créé le monde. Écoutez bien ça. C'est super, super, super bien. Après, je raconte une belle histoire. Je t'aime avec une belle histoire. Il dit Noam Elimelech, lorsque Dieu a décidé de créer le monde il y a 6000 ans, il s'est passé une chose, que le bon Dieu ne peut pas créer le monde. Parce qu'il n'y avait que la lumière de Dieu partout. Il ne peut pas créer comme... On ne peut pas créer quelque chose à l'intérieur du feu. Vous imaginez créer quelque chose dans le soleil, à l'intérieur du soleil, au milieu du soleil, on va créer une maison, on va créer. C'est impossible. Le soleil est tellement fort, il brûle tout. On ne peut même pas l'approcher. C'est inimaginable. Rien ne peut approcher le soleil. Alors, si rien ne peut approcher le soleil, il y a des soleils qui sont un milliard de fois plus forts que ce soleil-là. Mais n'oubliez pas, il y a Dieu. Dieu, il ne pouvait pas construire, créer quelque chose en lui. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Il s'est retiré et il a laissé un vide. Un vide en lui. Alors, écoutez bien. Mais ce vide qu'il a laissé, il s'est retiré de tous les côtés et il a créé un vide. Ce vide-là, c'est comme une goutte dans l'océan. Même pas une goutte. C'est comme un grain de sable. On ne peut même pas imaginer la grandeur de Dieu. Et le monde où on vit, il est incalculable. Il est incalculable en centaines de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de kilomètres. Ces galaxies, incalculables. Et tout ça représente pour Dieu un grain du sable. C'est fort. Hein. De plus qu'on découvre Dieu, on voit combien on est petit. Et on est petit et on se comporte comme des grands. On pousse le bon Dieu en faisant du mal. Et Dieu, c'est lui le plus grand. Ah, maintenant, Noam Elimelech, alav shalom, il pose une belle question. Il dit, cette lumière de Dieu qui s'est un peu écartée pour laisser place au monde que Dieu a créé plus tard. Cette lumière, elle est partie où? Cette goutte de lumière, elle est partie où? Elle est partie où? Elle est partie où? On ne peut pas dire Hachem. C'est dans la Kabbalah, on dit Tzimtzum. Hachem, il s'est retiré. C'est vrai, il s'est retiré. Mais Hachem, c'est vrai qu'il s'est retiré de tout. Il a laissé un cercle. Et dans ce cercle-là qu'il a laissé, c'est là-bas où il a créé son monde, le monde où on vit, toutes les galaxies, les paradis et tout. Mais Hachem, il est en dehors de tout ça, et il est en dedans de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a sa création à l'intérieur de ce cercle. Mais Noam Elimelech pose une question. Cette lumière, elle est partie où? On ne peut pas dire Hachem, il s'est serré, il a serré. Il s'est dégagé en laissant un cercle, mais cette lumière, elle est partie où? Vous savez qu'est-ce qu'il répond? Il répond de la part de son maître, qui était, je crois, l'élève de Baal Shem Tov. Il dit que cette lumière, il l'a insérée dans les lettres de la Torah.
cette Torah qu'on étudie, dans cette Torah, il y a la lumière que Hachim a retirée de l'endroit où il a créé le monde. Ça veut dire que Hachim, lorsqu'il a créé le monde, le Zohar, il dit, quand Hachim a créé le monde, il voit la Torah, il a créé le monde. C'est quoi? Hachim, il voit la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire, Hachim, il voit la Torah où il y a sa lumière, et avec ça, il a créé le monde. Ça veut dire, dans tout ce que vous voyez, le ciel, la terre, le monde et tout, toute cette création que vous voyez depuis la création du monde jusqu'à maintenant, dans cette création, il y a là-bas un peu de lumière de HaKadosh Baruch Hu. Vous imaginez? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? En faute. En faute dans le monde où il y a la Torah, dans le monde où il y a la lumière de Dieu, là-bas en faute. On fait pas. Est-ce que Hachem, quelque part, il dit comment? Moi, je vous maintiens. Vous vivez dans ma lumière, dans mon monde que j'ai créé pour vous, et vous êtes en train de me faire dégager. Mais on comprend, d'après ça, on comprend pourquoi beaucoup de fois, chez Mishmor, il y a beaucoup de Gezerot, il y a beaucoup de mauvais décrets, il y a des tremblements de terre, il y a des ravages, il y a des tsunamis, il y a beaucoup de guerres, des morts, il y a plein de choses. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu qui est dans le monde, c'est pour protéger le monde. Lorsqu'on faute, on écarte cette lumière-là d'un endroit pour l'envoyer à un autre endroit. Et un endroit qui reste sans lumière, sans présence d'Hachem, ça devient un danger d'habiter dedans. C'est pour ça qu'on dit qu'un endroit où il y a de la médisance, un endroit où il y a la mahloket, un endroit où il y a la guerre, un endroit où les gens détestent les autres, il ne faut pas rester là-bas. Parce qu'il n'y a pas là-bas la présence de Dieu. Dieu ne peut pas vivre, il ne peut pas rester dans un endroit où il y a la médisance, où il y a la haine. Donc, Abudai, vous avez tous compris. Chacun de nous, il a compris c'est quoi. C'est quoi Kippour? On dit qu'il va yom hazé, le jour de Kippour, à Kadosh Baruch Hu, il nous purifie. Et on devient à côté de lui. Comment on peut arriver à côté de Kadosh Baruch Hu? Écoutez bien ce que je vais vous dire. À Kippour, on doit arriver à ramener la lumière de Dieu qui était dans ce monde-là. Parce qu'à cause de nos fautes, on a enlevé cette lumière de Dieu. Là où on fait une faute, on écarte la lumière de Dieu qu'il y a dans ce monde, dans cet endroit, qui maintient cet endroit. Alors, et que Dieu préserve, c'est comme de Hakim Ragla Ashrena, c'est comme on pousse Hachem de cet endroit-là. Alors, lorsqu'on fait Teshuva, on ramène la lumière de Dieu à cet endroit-là. En ramenant la lumière de Dieu à cet endroit-là, alors on devient à côté de Kadosh Baruch Hu. Alors les choses s'arrangent de mieux en mieux. Alors la Teshuvah, elle est super. Et c'est ça, Teshuvah, Kadosh Baruch Hu nous a donné la remède. Comment ramener sa lumière à l'endroit où on l'a écarté de cet endroit-là? Comment par la Teshuvah? Par la Teshuvah. Alors Kadosh Baruch Hu dit, comment je vous ai donné le remède? Et vous avez échoué. C'est comme par exemple, vous avez par exemple, vous achetez une voiture, il y a une roue, la roue de rechange, et toujours à côté de la roue de rechange, il y a l'équipement, que si la roue elle est trouée, tu la changes, il y a tout l'équipement, même quiconque, moi je me rappelle, lorsque je conduisais la voiture, beaucoup de fois dans ma vie, ça s'est arrivé qu'en plein route, la roue elle a éclaté. Une fois en plein route, en allant au Maroc, en traversant l'Espagne, ben la route elle a éclaté. Eh ben, je me suis mis de côté et j'ai changé. Ouais, vous imaginez que moi-même j'étais en train de changer la roue. Mais il y avait tout là. Imaginez quelqu'un qui a la roue elle éclate et il sait qu'il y a la roue de secours, il y a l'équipement pour la changer et qu'il s'y fait. Il s'assoit, il pleure. Je crois qu'il crève, je crois qu'il meurt de faim, en plein désert. Mais il est fou. Mais t'es fou. Mais t'es fou, mais tu as tout. Mais tu as le remède, tu as la roue, tu as l'équipement, tu as tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu attends quelqu'un qui vient le faire pour toi? Mais fais-le. C'est facile. T'as pas besoin d'un mécanicien qui le fait. Tu le fais. Quelqu'un a la faim, il rentre à la maison, il y a tout au frigidaire, mais il veut qu'on le serve. Mais il n'y a personne qui le sert. Il crève de faim, il meurt. Mais Maboul, il est fou. Mais tu as le manger, sers-toi. T'as échoué.
t'as échoué, tu es faux. C'est facile. C'est facile. Un chef de cuisine, connu mondialement, qui invite tout le monde à venir manger chez lui. Tout le monde qui vient chez lui, waouh! Tout le monde parle, c'est un événement. Le chef. Je sais pas, le chef, il est reconnu. Tous les rois, tous les présidents, ils adorent son manger. Et tout le monde, il arrive. Ils arrivent chez lui, ils sont en train d'odeur de manger. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se dit, c'est le chef. Il se peut qu'il nous a préparé un repas sans odeur. C'est ça le chef. Et après, qu'il s'est fait ce chef, il sort, il leur dit, voilà les recettes des repas que j'ai inventés. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont lui dire, monsieur, on n'est pas venu pour écouter tes recettes, on est venu pour manger. Il a échoué. Il va devenir, personne ne va l'inviter. Personne ne va le commander. Pourquoi? Parce qu'il a échoué. Il avait maintenant la possibilité de montrer ses capacités, qu'est-ce qu'il peut faire, en introduisant ce qu'il peut faire, en le faisant goûter ce qu'il peut faire. Il a commencé à leur donner des recettes. Mais à boule, tout le monde est parti, il va perdre ça. Tout le monde va commencer à le critiquer. Parce que c'est pas pour ce but-là qu'ils sont venus. La beauté Hachem, il nous a donné Kippour. Kippour, c'est une belle fête de pardon, le grand pardon. Mais Hachem nous a donné une recette. La Teshuvah, Shabbat Shuvah. Le Shabbat, la Teshuvah. Faire pénitence, c'est ça la recette. On n'utilise pas la recette, cette recette-là, on a échoué. C'est vrai Kippour, ils veulent pardonner un peu, mais pas à 100%. Pas à tout. D'ailleurs, après Kippour, on va commencer à fauter, parce qu'on n'a pas utilisé la recette de la Teshuvah, comme qu'il le faut. Pour sentir Sukkot, la joie de Sukkot, il faut être propre. Il faut être propre à Kippour. Il faut utiliser la recette de la Teshuvah. Et là, tu vas être super, super, super bien à Sukkot. Super. Et après, tu vas recevoir la Torah avec joie. Mes amis, je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Sukkot. Que cette fête de Sukkot vous apporte bonheur. Sachez une chose. La fête de Sukkot, pour la santé, il faut avoir bien, uniquement si vous achetez la loulav, la haraba, le etrog, le hadas, qui symbolise à la fois quoi? Qui symbolise à la fois que je suis prêt à servir à Kadosh Baruch Hu avec tous ces éléments, avec tout mon corps, ma bouche, mes yeux, mon cœur. Et même si on sait pas, on n'a pas utilisé la recette de la Teshuvah à Rosh Hashanah et Kippour, on peut se rattraper. Comme ce chef-là, lorsqu'il voit que tout le monde lui fait la tête parce qu'il commence à leur donner les recettes, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attendez quelques secondes, tout de suite, il va au congélateur, il décongèle les repas qu'il a préparés, il les chauffe, il leur donne. Ah, il s'est rattrapé. Sukkot, c'est rattraper. C'est pas comme Kippour Rosh Hashanah, mais on peut se rattraper. Et on peut rentrer au palais royal. Et on peut inviter à Kadosh Baruch Hu. Et on peut inviter les patriarches. Mais il faut que ce soit un bon rattrapage. Et je termine avec l'histoire. J'ai pas oublié. Il y avait, lorsque j'étais en Amérique, il y a une femme qui est venue me voir la semaine dernière. Elle me dit, vous me connaissez? Elle venait avec toute sa famille. Je dis, non, madame, toutes les femmes que je vois, je ne me rappelle pas. Et je me rappelais l'année dernière, j'étais là, elle était gravement malade. Les médecins lui ont donné un mois à vivre. Un mois. Et grâce à Dieu, elle a guéri. Elle a guéri complètement. Elle a guéri. Et je dis, ah, super. Mais il me dit, Rabbi David, vous savez, j'ai fait à la lettre ce que vous m'avez dit de faire. Vous m'avez dit de respecter Shabbat. Vous m'avez dit de respecter Nida. Alors j'ai respecté. Lorsque j'ai quitté votre bureau, je suis parti chez moi. J'ai pris la décision avec mon mari qu'on commence à changer. Pourquoi? Parce que les médecins nous ont donné des médicaments. La chimio. Et tout ça n'a pas marché. Alors j'ai dit à mon mari, les médecins nous donnent des médicaments. Ça peut marcher. Ça peut ne pas marcher.
Mais ça peut marcher. Mais ça peut ne pas marcher. On a vu chez plusieurs, ça a marché. On a vu chez plusieurs, ça n'a pas marché. Mais on ne prend pas le risque de dire, et puis ça va marcher. On les prend quand même. La Torah aussi s'appelle un médicament. Donc, ça peut marcher. Et ça peut ne pas marcher. Mais ça peut marcher. Alors pourquoi tu crois, pourquoi les médicaments que le médecin il donne, on prend le risque, on les prend. Et les médicaments que le bon Dieu a donné qui s'appelle Torah, on ne le fait pas. On dit, ah, la Torah, qu'est-ce que ça va faire la Torah? Ah, qu'est-ce que ça va faire la Torah? La Torah, ça ne pas Dieu. Mais la Torah, elle s'appelle médicament. Rabbi David, je rappelle ce que c'est ce que vous nous avez dit l'année dernière. Vous avez dit l'année dernière, je vais vous donner un médicament qui s'appelle Torah. Alors on a pris ce médicament, lorsqu'on a vu que le médicament que les médecins nous ont donné, ça n'a pas marché, on a pris ce médicament que vous nous avez donné qui s'appelle Torah, Shabbat, pureté familiale, tefillin, et on l'a utilisé. Et après 3 mois, je commence à me sentir mieux. Il y a un mois, le médecin ne comprend rien, me dit, madame, vous êtes complètement guéri. On est venu vous dire, de dire à Hachem, à qui pour merci pour nous. Nous, on va lui dire, mais étant donné que c'est vous qui nous a donné le remède de Dieu, alors dites-lui merci. J'aurais dit, le remède que je vous ai donné, c'est pas le mien, c'est le remède que Hachem vous a donné. Moi, j'étais avec le kili, moi, j'étais avec l'envoyé, mais c'est Hachem le médecin. Il y a 2 sortes de médecine, le médicament et la Torah. Et voilà la bouteille. Cette année, si Dieu veut, cette femme-là, elle va aller à la synagogue, super clean, et ça va être le premier kippour qu'elle va faire. Ah, quand elle reconnaît que sa guérison, elle ne vient pas de moi, elle vient de Dieu parce qu'elle a respecté mes fautes, parce que moi, je n'ai rien fait moi. Ce n'est pas ma prière qu'elle a fait d'elle, une femme de bonne santé. C'est sa prière à elle. C'est sa teshuva à elle. C'est ça ce qu'on dit. Shuva, il s'est fait teshuva. Que cette teshuva, elle monte. Ah, qu'elle monte jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Pas une teshuva qui reste en l'air. Une pénitence qui reste jusqu'au plafond. Il faut qu'elle arrive. Une teshuva qu'elle arrive. Il faut que ce soit avec le cœur. Parce que c'est le cœur qui va la lancer comme un fusée chez Kadosh Baruch Hu. A teshuva, je suis mais à lève. À lève, zore kuta kohetz, c'est la Kadosh Baruch Hu. Bam! Comme une flèche, la Kadosh Baruch Hu. Une teshuva qui sort de la bouche, et le cœur il est froid. C'est teshuva qui va arriver jusqu'au plafond. Elle va rester là-bas. Elle va stagner. Il faut que la teshuva il sort. Et il sort de la bouche avec le cœur. Et le cœur, boum, comme infusé. Boum, elle monte. Chaque Kadosh Baruch Hu. Si on ne fait pas ça, kasha tabe avodah, c'est l'échec. Hava, il t'a donné un remède et j'ai échoué. Quel échec. Il ne faut pas qu'on arrive à cet échec-là. Puisqu'on a tout le matériel pour faire des choses. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Bonne fête de Sukkot. Bonne fête de Simchat Torah. Et à la semaine prochaine. Que Dieu vous aide. Je vous aime. Je vous adore. N'oubliez pas d'inviter tout le monde, vos copains, que vous savez qu'ils ont un internet, d'écouter ce cours de Torah-là. Et que Dieu vous protège. Amen.